Salut à tous, moi je suis Edouard Akakolado, ingénieur en électromécanique, fondateur du Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, CLIC-LADO Concept, également le promoteur de l'association des jeunes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable. Notre objectif et mission, c'est de faire la promotion de la technologie en Afrique à travers l'innovation, l'invention, la créativité, les recherches scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une petite machine. C'est une presse hydraulique. Une presse hydraulique, c'est-à-dire que c'est une presse que nous avions montée à partir d'un cric à voiture de 12 tonnes. Et puis, derrière, c'était une cric manuelle. Et puis, avec un moteur, on a adapté un moteur qui actionne automatiquement le cric et puis le fait descendre. Voilà, donc le cric a une capacité de 12 tonnes. On va essayer de presser quelques trucs, quelques objets là. Ça, c'est un ventilateur gâté. On va le mettre pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est un petit plastique aussi, un ventilateur gâté. Un tube carré de tube carré de 20 galva, ici aussi tube carré de 20, tube carré de 25, et puis une boîte à l'espace. Nous allons ensemble voir, il y a l'interrupteur qui est au niveau de la pédale, l'interrupteur qui est au niveau du pied, et puis c'est naturellement connecté à la prise. Donc, voilà. Donc nous allons essayer par le ventilateur pour voir ensemble ce que ça pourra donner. Donc là, on va continuer avec la boîte là, du Nescafo là, pour voir. On pose. Donc, voilà un peu le résultat de avec la boîte de Nescafé qu'on a mis, c'était en entier, et puis la machine a pressé. Donc on va continuer avec le tube carré de 25. Après on va prendre aussi le tube carré de 20. Donc ça, c'est le résultat obtenu avec le tube carré de 25. C'était bien carré et puis on a mis dedans, donc ça a plat. Donc on va aller aussi avec deux tubes carrés de 20, un en galva et un en tube noir. Nous allons continuer avec le tube carré de 20. On met seul là. On va voir. Le tube carré de 20 qu'on avait mis
puis la machine, la presse de Guston l'a totalement aplatie. Voilà, l'a totalement aplatie. Donc nous sommes là, nous sommes dans le centre de recherche d'invention et d'innovation technologique à Lomé, au Togo. Donc nous innovons, nous créons, nous fabriquons tout ce que vous nous demandez. Allez, si c'est la première fois que vous nous découvrez sur la page YouTube, allez abonnez-vous, partagez, likez et ensemble pour la promotion. Merci.